On vous en parlait dès hier matin sur RMC, la violente agression dont a été victime un maire en Côte d'Or, tabassé pour avoir simplement mis en garde le conducteur d'un quad. Cet élu d'une commune de 1600 habitants, Jean-Claude Girard, témoigne ce matin. Il y a un quad qui a débouché du chemin de halage avec une conduite complètement inadaptée. Moi, je l'ai juste stoppé le jeune en lui demandant de rester prudent. Je me présente en fait en ma qualité de maire et me dit je descends, je te casse la gueule. Voilà. Je vois arriver deux roues en fait. Et à ce moment-là, j'ai pris un coup de barre de fer derrière la tête et j'ai perdu connaissance. Nous, on est des élus de terrain, de proximité, d'écoute, d'échange. C'est pour ça que des événements comme ça nous marquent. J'aurais pu imaginer qu'il y a une altercation, éventuellement des insultes, mais pas un tel déchaînement de violence. C'est grave en fait.